Voilà, j'ai ici demandé ceci dans Google. Double arrow icon. Bon, j'ai tapé public domaine entre guillemets pour trouver les images du domaine public. Et donc, pour la démonstration, je cherche une image qui montre une double flèche. Donc, je ne vais pas jouer avec deux images, une flèche gauche, une flèche droite. Je vais vraiment essayer de trouver ici une double image. Une image d'une double flèche. Une image d'une double flèche. Voilà. Bon, il y en a une là. Là. Mais c'est pas bon ça. Sinon, on pourrait en faire dans Illustrator aussi, évidemment. C'est très facile à faire dans Illustrator, des doubles flèches. C'est dans la palette contour, pour ceux qui se poseraient la question. Une fois que vous avez fait un trait avec deux points, hein, clic, clic, avec la plume, vous allez dans la palette contour et vous avez les options de flèche, début, fin. Ok, donc je vais enregistrer cette double flèche. Et dans InDesign, je vais la charger en bas ici de la page gauche. Fichier importer. Cliquez, glissez. Et là voilà. Je la déplace avec la flèche, avec la flèche noire de manière à ce qu'elle soit centrée dans le document. À un certain moment, vous avez la barre verticale qui apparaît, le repère commenté, qui vous indique que votre centre d'image est bien centré dans la page. Oui, la barre verticale, pas la verte en fait, la mauve. La verte concerne le bloc. Ah oui, c'est vicieux. La verte concerne le bloc. Quand vous avez la barre verticale verte qui apparaît, c'est que ça veut dire que c'est centré dans le bloc et je pense que celle-ci ce sera centrée sur la page. Sinon, vous savez comment on centre un objet sur la page? Autrement, je vous montre. Voilà, je mets l'objet n'importe où. Faites-le aussi, c'est vraiment très intéressant ce qui va être vu ici. Fenêtre, objet et mise en page, alignement. Fenêtre, objet et mise en page, alignement. Aligné sur la page. Aligné sur la page. Et à ce moment-là, quand vous demandez de centrer, ben ça va se centrer sur la largeur de la page. Quand vous demandez de centrer ici. Voilà. Elle s'est parfaitement mise au centre de la page. Donc c'est l'option aligné sur la page. Bon là, et manuellement, je vais la descendre en enfonçant la touche majuscule. Là, je suis certain qu'elle est vraiment au centre de la page. Il n'y a pas de problème. Je déplace une copie avec la touche Alt. Ok.